Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, je suis sur le sol français depuis hier, le lundi 29 août 2016, revenant de Liège. J'ai une mission pour laquelle je suis venu en Europe depuis l'Espagne. J'ai une mission de délivrance au niveau de l'Espagne et tout ça. Je tenais à dire merci au couple Capou. Voilà, pour toute cette grâce et cette bénédiction, tout ça. Donc, les enfants spirituels ont bénéficié depuis hier. Voilà, j'ai rendu visite à mes enfants spirituels qui m'ont soutenu, n'est-ce pas? Et puis, bon, il fallait que je rentre un peu sur la France. Et voilà, donc, depuis hier, je suis sur le sol français. Et par la grâce de Dieu, il y a eu tellement de mobilisation, de soutien à mon ministère et tout ça. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur et pour vraiment ce soutien et pour des enfants spirituels qui ont gardé, n'est-ce pas, leur loyauté à leur père spirituel. Parce que c'est vraiment important de savoir ce que tu fais. Et en même temps, il faut comprendre que le diable, c'est un semeur de doute. Le diable, c'est un semeur de doute. Vous allez bien écouter ceux. Parce que moi, je les écoute, hein, ceux qui parlent de moi. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui les motive à parler de moi. Parce que si vous pensez que quelqu'un est faux, il faut que vous donniez le modèle de quelqu'un qui est bon. Et soyez vous-même exemple. Au lieu de combattre le prophète Crasso, hein, le vrai visage du prophète Crasso, vous cherchez quoi en disant ça? C'est ce point d'interrogation. De deux, il y a un féticheur qui me fait passer pour. Et puis, c'est le même féticheur que les gens ont retrouvé sur les mêmes plateaux, de ceux qui me combattaient, tout ça. Bon, bref, je ne suis pas venu là pour répondre à quel petit que ce soit, pour dire le diable, c'est un semeur de doute. Et dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que si vous mangez le fruit? Et Marie, Ève dit oui. Il dit, mais non, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Ça, la semeur de doute dans le cœur de Ève. Elle a mangé le fruit et elle est tombée sur le châtiment. Elle en a donné à son mari et elle a la même chose. Il y a aussi le temps de Jésus-Christ. Quand Jésus finit son jeûne de 40 jours, le diable encore s'approche de lui pour dire, si tu transformes ces pierres en pain, parce qu'il est écrit que tout ce que tu demandes en pain, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Donc le diable, chaque fois qu'il y a une bénédiction, quelqu'un de fort, puissant, on vient, on sème les doutes. Donc nous le savons, pour ceux aussi qui lisent la Bible, le savent très bien. Donc j'en profite de passer pour dire, un coucou au vieux père, papa spirituel, Nian Léon depuis Bruxelles. Voilà, pour son soutien. Et donc, le diable, c'est un semeur de doutons. Pour ceux qui ne savent pas mon combat, le combat, il est noble, hein, c'est contre la sorcellerie. Un fétiche ne peut pas aller détruire la sorcellerie, sauf la puissance de Jésus-Christ. Selon Jean 10, verset 9, 19 plutôt, il donne le pouvoir de détruire les œuvres de la sorcellerie. Donc, voici le combat que nous menons. Le diable existe. Vous voulez que nous autres, nous laissons les gens manger les gens? C'est ce que vous voulez? Vous voulez que le prophète Crasso abandonne ce combat, c'est ce que vous voulez? Mais non, moi j'ai donné ma vie, hein, au prix, c'est ma vie, hein, j'ai mis à prix, hein, pour sauver des âmes. Parce que qui dit sorcier, il dit mangeur d'âmes, il mange des gens, les sorciers détruisent. C'est le seul ministère unique au monde qui vous a ouvert les yeux sur les œuvres de la sorcellerie. C'était tabou, personne n'en parlait. Et qu'on parle même dans les églises, bizarrement, je crois souvent qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas mieux, un peu plutôt. Et c'est nous qui avons dévoilé les œuvres de la sorcellerie aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que les gens commencent à comprendre comment être délivrés. Et surtout, nous avons présenté la puissance de Dieu. Or, il y a dans d'autres congrégations, n'est pas au village. Nous encourageons les gens à accepter Jésus et aller au village. Voilà, aucun féticheur ne peut faire ça. Aucun féticheur ne peut faire ça. Aucun marabout. Dieu est passé par nous pour délivrer beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, même les sorciers ont été délivrés. 8223 sorciers délivrés. Bon, bref, donc le combat continue. Je suis sur le sol français. Aujourd'hui, c'est le mardi. Et aujourd'hui, mardi 30 août 2016, voilà, le combat est continu. Voilà, je rencontre mon fils spirituel en France, qui était déjà venu, ça fait maintenant un mois, à Divo, voilà, qui a été miraculeusement guéri. C'est un frère camerounais. Je vais laisser quelques minutes. Ouais, donc moi, je souffrais des mains depuis 92. Je suis Patrice Fongué. Donc, je souffrais des mains depuis 92. Alors, il y a d'ici 3 ou 4 mois où j'ai rencontré le prophète, miraculeusement, j'ai été guéri de ma main. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui veulent voir la sorcellerie disparaître dans nos pays d'Afrique, cette sorcellerie qui nous empêche d'évoluer, qui nous mange, qui nous bouffe notre vie, notre existence, s'il vous plaît, veuillez soutenir le prophète Joël Crasso. Parce que si moi, je vous dis, je suis un survivant, je suis un survivant. Donc, j'ai dû arrêter de travailler depuis 2012 à cause de ces mains, parce que je ne pouvais même plus tenir le matériel avec lequel je travaillais. Donc, grâce au prophète Crasso, je peux vous témoigner aujourd'hui, franchement, que Dieu existe. Il existe. Ça, je vous le dis.
Voilà, vraiment, priez pour le prophète. Priez pour le prophète. Dieu est grand. Voici un témoignage d'un vivant, un palpable. Il y en a plusieurs comme ça. Dit, voilà, c'est un frère camerounais. Donc, shalom à vous. L'affaire à suivre, à tous mes enfants.